Daniel, je vous trouve en face de la mairie, de l'autre côté de la rue, mais là devant le bureau de vote, mis en place par les Gilets jaunes de Saint-Clair-du-Rhône, pour se prononcer sur un référendum d'initiative citoyenne. Mettre en place une telle votation, ça n'a pas été une chose très facile. Non, comme vous le dites, effectivement, ça n'a pas été facile, notamment pour avoir le lieu du bureau de vote qui s'est déterminé la veille du scrutin, tardivement, hein, puisqu'on a eu à 18h30 l'autorisation municipale d'occuper ce terrain, alors qu'on demandait à être juste en face de la rue, un peu plus près de la mairie. Mais c'est pas bien grave, puisqu'on voit directement la mairie. Bon, finalement, au demeurant, à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire à 16h de l'après-midi, au deuxième jour de cette votation, vous êtes quand même assez satisfait parce que les gens se sont déplacés. Alors on a beaucoup de gens qui se sont déplacés et notre grande surprise, c'est de voir pratiquement autant de gens qui n'ont pas le droit de voter sur ce scrutin, qui se sont déplacés, donc des bureaux voisins, le numéro 1 et le numéro 2, mais y compris de communes extérieures. On a même des personnes qui ont fait près de 50 km pour nous dire « moi aussi j'aurais aimé voter et je viens pour vous signaler mon soutien ». On a tellement été surpris qu'on a ouvert un cahier pour recenser ces gens-là et il y a des chances qu'on leur donne aussi cette possibilité de voter. Tellement il y a de frustrés, effectivement. Ultime question, parce que des fois ça fait un petit peu mal les rapports entre les Gilets jaunes et la presse. Là, la presse est venue et finalement aide à populariser ce référendum. Oui, c'est clair que tout mouvement citoyen se plaint généralement de ne pas être médiatisé et rester un petit peu dans son coin. Donc là, on a une initiative qui attire les médias. Et pour une fois, ce n'est pas une initiative qui montre un blocage ou des palettes qui brûlent ou de la lacrymogène. On nous dit sans arrêt que le peuple n'a pas à s'exprimer dans la rue, il doit s'exprimer par les urnes. Eh bien, c'est ce qu'on fait, justement. On fait voter, on fait s'exprimer dans les urnes une partie des citoyens. Mon vœu, ça serait que la France entière puisse s'exprimer. Par contre, on n'a pas aujourd'hui le moyen de le faire. Mais peut-être que ça viendra.